OK. C'était un grand honneur d'avoir le président Paul Kagame et le président Bassirou Diomaye Faye au dernier jour des compétitions de notre conférence Sahara à Dakar Arena, avec un public qui est venu très nombreux. Nous remercions ces deux leaders. Le président Kagame qui a été un champion, qui a beaucoup contribué à partager la bonne parole avec ses homologues à travers l'Afrique, parce que la vision que nous avons toujours eue et la croyance que le sport peut être un levier de développement économique, en Afrique surtout, avec une population très jeune en majorité, le sport le parle. Et pour nous, avec la création de la Basketball Africa League, c'était l'opportunité vraiment de créer une locomotive économique, parce que en boostant le tourisme, la manière dont on organise nos compétitions, le partenariat qu'on a établi ici avec Visit Rwanda, le Rwanda Development Board, depuis 2021, qu'on a renouvelé en juin dernier pour 5 ans encore. Et le président Kagame, tout à l'heure vous l'avez vu dans la conférence de presse, le secrétaire général du ministère des Sports qui était à l'époque le vice-CEO du Rwanda Development Board quand on faisait le partenariat, il a rapporté avec des chiffres à l'appui l'impact que l'organisation de ces compétitions, de ces finales et des playoffs ont eu ici à Kigali, au Rwanda, contribuant jusqu'à 15% des retombées du secteur des événements qu'ils organisent. Ils ont construit de grosses infrastructures comme la Kigali Convention Center, obviously la Bank of Kigali Arena. Ils ont trouvé un partenaire, une banque locale qui a mis le nom sur l'infrastructure. Je crois qu'un modèle qui peut être répliqué ailleurs et pourquoi pas au Sénégal. Je suis sûr que le président Kagame n'a pas manqué de partager l'expérience qu'ils ont ici avec une structure qui manage ces infrastructures et qui s'occupe d'amener du contenu dans ces infrastructures et qui s'occupe aussi de la maintenance de ces infrastructures et au-delà aussi partage des revenus qu'ils génèrent à travers ces événements qu'ils organisent avec l'État. Alors je pense que avoir ces deux leaders dans ce match était comme on dit un tampon, une marque de reconnaissance, d'approval, il continue de légitimiser vraiment le discours que nous portons et que l'Afrique, il est temps que l'Afrique commence à bénéficier sur le continent africain même des valeurs qu'il génère pour d'autres discours que nous portons et que l'Afrique, il est temps que l'Afrique commence à bénéficier sur le continent africain même des valeurs qu'il génère pour d'autres parties du monde où la plupart du talent africain souvent va s'exprimer. Alors, de ce point de vue-là, moi, nous remercions encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye pour avoir accueilli le président Kagame au Sénégal. Alors, par rapport au public, comme on l'a vu pendant toute la saison, d'abord à Pretoria, à Sunbet Arena, il y avait un public très nombreux qui est venu. Entre Pretoria et le Nil, nous avons eu 40 000 spectateurs qui ont vu les matchs. À Dakar Arena, lors de ces 6 jours de match, on a eu 41 000 spectateurs. Ça veut dire qu'un total de 81 000 spectateurs pour la saison régulière, avant même d'entamer les playoffs. Je rappelle que l'année dernière, nous avions eu un total de 70 000 personnes, spectateurs, et ce record est déjà battu. Ici, déjà, le match est à guichet fermé pour demain à Kigali Arena. Je n'ai aucun doute que le public rwandais va venir soutenir le basket s'ils accueillent l'Afrique. Et comme on l'a vécu ici toutes ces années, malgré que l'équipe locale, par exemple, avait perdu
dès le premier match, mais le public est venu encore. Et aussi, il y a des communautés d'autres pays d'Afrique qui sont ici, qui vont venir soutenir les Wizards d'équipe. Il y a aussi des supporters qui voyagent, qui viennent ici pour regarder ces finales. Aussi, comme on l'a fait à Dakar, à Pretoria et au Caire, il y aura aussi des performances dans la salle. Il y aura de la culture qui est infusée dans ce que nous faisons autour du basketball. Est-ce que vous pensez que le président Diomaye, avec ce qu'il a vu,